Non, s'il te plaît. Ouais. Alors, on va se mettre comme ça, si tu veux. Sous le soleil, bien de face. Guillaume, dernière journée, circuit de Montjuïc que vous connaissez. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ça va être intense parce que c'est la dernière étape et parce que c'est un circuit effectivement super, super exigeant, et aussi parce que le général est encore en jeu. Je pense que Evenepoel n'a pas donné son dernier mot. Je pense qu'à la différence des autres années, si ça se joue entre les coureurs du peloton, à mon avis, ça risque pas d'être un sprint à 20 coureurs. Je pense que Evenepoel a les moyens de se détacher, et la question c'est est-ce qu'il sera accompagné de Roglic ou pas. Donc dans ces conditions, vu ma condition du moment, je pense que j'ai pas les moyens de lutter de cette manière-là. Donc c'est pour ça que l'idée, ce serait plutôt de prendre l'échappée. Ouais, et puis en plus, il y a pas mal de points sur la route aujourd'hui pour le classement de la montagne. Oui, il n'y a pas de grand col, mais par contre, il y a plein de grimpeurs. Donc voilà, il y a encore une possibilité de revêtir ce maillot. J'en ferai pas un drame si c'est pas le cas, mais bon, si au passage je peux aller le chercher, pourquoi pas s'en priver. Ouais. C'est le circuit de Montjuïc qui vous plaît ? Ouais, par le passé j'ai plutôt eu de bonnes sensations et de bons résultats ici. Bah, l'an dernier j'ai terminé 6e, je crois, dans le sprint. Donc j'aime bien, ouais, cette répétition d'effort. Ouais. Merci Guillaume. Merci. Bonne course.